Allez, un petit vol au départ de Saint-Il. Bon, je pourrais pas faire un gros vol ayant décollé trop tard, mais c'est pas grave, on va essayer de se faire plaisir. Allez, on a fait 2002 au Granier. Et puis on va partir dans les Bauges. J'ai raccroché les Bauges là, je commence juste à ressortir. Là, il y a deux pilotes qui vont se poser là. La Chartreuse était plus sympa. Allez, on va avancer en direction du Margeria. On va voir si ça va monter quelque part. Allez, je suis sur le Colombier. Alors là, on sent du sud-ouest là, assez fort. Ouais, j'aurais peut-être voulu faire prendre le Margeria en fait. Le Margeria est vraiment en feu là. Ah bon, j'aime bien le Colombier, à chaque fois on se fait un peu secouer la couenne. Ça réveille. Toujours des petits moments sympatoches. Ouais, il y a bien un moment où je vais me faire catapulter là. Voilà. J'ai galéré un peu à plan feu là, j'aurais pas dû passer par plan feu, je suis un peu stupide aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est fumant, ça fait plaisir de voler. Bon, alors j'arrive vers Mieuxcy. Bon, c'est assez bon hein, la masse d'air. Il y en a des brises fortes et puis ben l'ouest hein, qui est marqué hein, aussi. Mais bon, voilà, on aura fait un joli tour si on arrive à boucler. Allez, on va retraverser Cluses. Moi, je suis arrivé hop, par là. Et on va essayer de s'enfiler dans ce boulet là. Voilà. On va rentrer par là, essayer de retaper les Aravis. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Face ouest, au nord des Aravis. C'est assez bouché. Je sais pas trop par où je vais passer. J'aimerais bien réussir à sortir un plaf là. Ce serait pas mal. Traverser des Aravis aurait été un peu laborieuse. Là c'est pas mal maintenant. C'était très à l'ombre. Ça s'est asséché un chouille. J'hésite un peu là sur la trajectoire à prendre, si je passe par la Belle Étoile là, ou si je tire plus sur Bizane. Donc là il y a Albertville devant moi. Bon bah là on a du nord-ouest maintenant assez fort hein. 25 km/h d'après le GPS là quand j'étais un peu haut. Allez, le petit 4 mètres qui fait plaisir. Alors, est-ce que ça va rentrer? Il me reste 35 km à faire. Ça va, je suis allé vite quand même. Hein, enfin, 35 km pour boucler, mais exactement le déco, il doit être à 48 km. Ouais, bon. Alors j'arrive sur Chamou, je suis encore à 2250 mètres. Je suis parti à 2006 du Grand Arc, ça porte bien, je suis un peu poussé. Bon, je pense que ça devrait rentrer là normalement. Il y a juste la vallée des Hules qui va faire chier, mais vu que je vais arriver normalement dedans pas trop bas, avec un peu de chance, je devrais arriver à rentrer. Ouais, là, il est 19h. J'espère que les brises du coup vont être un peu moins fortes aussi.
Voilà, si je boucle, ça fait un triangle de 255. Bon, c'est pas mal. Surtout en décollant à 12h30, ça fera une bonne moyenne. Bon, alors j'ai réussi à ressortir un peu à Valpelouse. Il est 8h-10. Bon, je vais essayer de rentrer en glissant là, petit à petit. Là sur Alvar, peut-être un peu le début du Cré du Poulet, on va voir, ou Saint-Genis sur la face nord. Ah, il me reste 10 km à faire pour que ça rentre, je suis à 1600 mètres. Ça peut peut-être le faire s'il n'y a pas du vent qui me gêne. Allez, ça va boucler. Là, j'ai passé le cylindre qui me permettait de boucler. Ah, super, ça remonte, je vais peut-être pouvoir aller jusqu'à la maison. Ah, il est 20h10 et ça monte un petit peu ici. Ouais, ça fait plaisir le petit thermique là, le petit 1,5. Voilà, ça remonte en dynamique là. Mais il y a de l'air quand même. Hein. J'étais aux alentours de 10 km/h. Bon bah là, je suis large assez haut pour boucler les 3 kills. 1400 mètres. Je suis à 10 km du déco. Ah, c'est assez ouf là. Ça remonte autant sur le Saint-Genis, là, sur la face nord. Je m'y attendais, hein, c'est pour ça que je suis venu. Mais je pensais pas que ça remonterait aussi bien quand même. Et aussi haut. Allez, le petit glide final qui va bien faire plaisir. Bon, alors il est bientôt 20h30. Bon, ça boucle sans problème. Je suis un peu déçu. J'aurais dû remonter un peu plus en fait sur le Saint-Genis parce que ça portait vraiment grave. J'ai fait, je sais pas, j'ai dû monter à 1400, 1500 et je pourrais presque me reposer en haut à Saint-Hil. On va voir si ça continue de porter comme ça là. Je me repose en haut et comme ça je récupère la caisse. À mon avis, il va manquer un chouille quand même. Ah, il manquait vraiment pas grand chose hein, pour que ça passe là. Mais bon, là par contre, là ça y est, je rentre dans la vague. Allez, hop, on va aller poser à la maison. Et on ira chercher la voiture demain matin. Allez, on va poser dans le petit champ fauché. À côté de la maison. Hop. Ah, j'aurais jamais cru que je ferais un si beau vol aujourd'hui, surtout en décollant à 12h30.